Quel genre de développeur seras-tu? La question peut sembler assez bizarre, n'est-ce pas? En fait, je la pose parce qu'il existe plusieurs profils de développeurs. Mais quel type de développeur serez-vous? Il faut savoir qu'il y a trois types principaux de développeurs. Le premier type, c'est le développeur front-end. Le front-end, c'est celui qui va développer plus avec des langages clients comme HTML, CSS, JavaScript. Bref, il va s'occuper de l'apparence, de tout ce qui interagit avec l'utilisateur de son site. Quand je parle d'interaction, je parle du site, de l'apparence du site, de la façon dont votre site va se présenter. Donc, c'est ça le rôle du dev front. Il gère tout ce qui est apparence du site, expérience visuelle et expérience utilisateur. Le deuxième type, c'est le développeur back. Le développeur back, comme son nom l'indique, back, c'est en arrière. C'est celui qu'on ne voit pas. C'est celui qui travaille dans l'ombre. C'est celui qui va développer avec des langages serveurs comme PHP, Python, Java. En général, son travail n'est pas visible par l'utilisateur. Voilà. Et lui, il va gérer tout ce qui est interaction avec les serveurs, avec la base de données. Quand vous créez votre compte sur un site, vous avez votre espace client, vous pouvez faire des achats en ligne, tout ça. C'est le dev back qui va s'en occuper. Et le troisième type de développeur, alors, celui-là, c'est une pelle rare, c'est le développeur full stack. Et le développeur full stack, celui qui sait à la fois faire du front et qui sait à la fois faire du back. C'est une compétence qui est énormément recherchée par les entreprises et c'est une compétence qui est énormément requise pour devenir freelancer.